Pour moi, le brevet, c'est à la fois important et stressant. Surtout stressant, surtout pour les matières à l'oral. Donc l'année prochaine, je passe au lycée et j'hésite entre les sciences et les langues car je parle 6 langues, donc le russe, le français, le géorgien, l'espagnol, l'anglais et l'arménien. J'habite dans la région parisienne avec mon père et je viens ici pendant les petites vacances chez ma mère. Ma passion que je pratique, c'est l'athlétisme et ma discipline préférée, c'est la vitesse. Et pourquoi je pratique de l'athlétisme? Ça sert à calmer mes nerfs et comprendre les choses et travailler plus à l'école. J'arrive de la région parisienne. Je suis à Chamy depuis un mois et je suis au centre social parce que ma tante me l'a conseillé, parce qu'elle connaissait bien. Depuis que je suis arrivée, je me suis fait des amis vite et je trouve les activités bien. Ici, c'est plus calme qu'à Paris et je trouve pas d'autres différences parce que je n'ai pas encore trouvé de différence. L'avenir pour moi, c'est d'avoir un bon métier, être mécanicien, avoir une maison, pas être à la rue, et voilà. Moi, ça serait d'être secrétaire médicale. C'est bien payé et aussi ce que j'aime bien, répondre au téléphone. Et ce que faut toujours être dynamique quand tu parles à quelqu'un ou il faut sourire ou faire quelque chose, mais ça doit être bien. Je pense que dans quelques années, le monde va évoluer dans la technologie, dans le bon sens pour le service des gens. Et pour moi, mon avenir à moi, c'est d'avoir un bon métier, une maison, une famille. Et je me vois faire médecin, car j'aime bien aider les gens. Pour moi, l'avenir, c'est un truc merveilleux, car j'aimerais bien faire secrétaire médical pour aider les gens. Pour moi, l'avenir, c'est un truc... bien quoi, enfin j'aimerais pas être à la rue, j'aimerais enfin avoir ma vie quoi. L'avenir pour moi c'est des voitures volantes, des iPhone 20, la télé tu pourras la regarder dans la rue, mais une vraie télé tu prends dans la rue, tu la regardes et tout. Et comme métier je voudrais faire infirmière, parce que j'aime bien tout ce qui est manipulation. C'est pour ça que je fais dans les blocs d'opératoire. Et j'aime bien m'occuper des gens malades et tout, les aider, apporter mon aide. Je l'imagine avec de la technologie, plein de trucs qui sortent, mais de nouveaux, des choses bien, quoi. Et j'aimerais être pédiatre, parce que je kiffe les enfants. Je kiffe m'en occuper d'eux. Voilà. Pour moi, l'avenir, c'est de devenir footballeur professionnel parce que c'est ma passion et aussi d'avoir une maison, pas être au chômage. L'avenir, je pense que ça va évoluer. Et mon avenir, je voudrais avoir des enfants qui ont un métier
et que moi aussi. Moi, je me sens plus infirmière, libéraire, et j'espère que ça va se passer bien. C'est pour aider dans mon pays, puisque il y a des gens qui sont trop malades là-bas, et je veux les aider, c'est tout. Comment je vois l'avenir ? Mon avenir perso ou l'avenir d'Anime Jeune ? Mon avenir perso, ça serait de pouvoir développer beaucoup plus d'activités pour le groupe, développer certains projets qui me tiennent à cœur. Et après, pour les enfants, j'aimerais, pour les jeunes, j'aimerais qu'on fasse des projets, on va dire, qui sortent de l'ordinaire. L'avenir, c'est vaste et c'est lointain. Ça sera un monde qui change et je sais pas trop vers quoi. Moi, pour mon avenir, j'espère pouvoir continuer à développer des activités pour la commune de Coulounis-Chamiers, pour l'association du centre social, pour les jeunes ou pour le reste des personnes qui fréquentent le centre social. L'association Syntex, car dans cette association on fait plein de trucs comme ce tournage là. On va partir à Paris, on prépare une comédie musicale, il y a des intervenants qui viennent nous apprendre à danser. Il y a plein de sorties aussi, il y a plein de beaucoup de choses. Voilà. Je viens au centre de loisirs Jean Cigala pour m'amuser. Et non pas parce que ma mère me force, mais pour justement m'amuser avec les copains. Et pour les activités qu'on fait là-bas, on prévoit nos vacances d'été, nos vacances d'hiver pour l'année prochaine ou à l'avance. Et on fait des activités bien comme acrobranche, sport, VTT pendant les vacances. Et c'est intéressant pour ceux qui veulent venir. Moi, je représente le centre social parce que on fait des chorés avec des intervenants qui viennent. Il y a aussi des reportages comme celui-là qu'on est en train de faire. Nous faisons encore une comédie musicale qui est en train de se préparer pour le 20 juin. Et on fait encore beaucoup de choses, alors je représente le centre social pour ça. Social parce que c'est là où je me trouve avec mes amis. On passe des temps, on s'amuse, on rigole. Pendant les vacances, le mercredi, et voilà quoi. Alors moi je représente l'association Saint-Exupéry qui se trouve à Coulounis-Chamiers. Et j'y vais parce que c'est un moyen de m'occuper pendant les mercredis après-midi ou bien encore les vacances quand je vais pas en vacances en famille.